Alors, tu veux mes impressions ? Tu veux mes impressions ? Alors, donc, mes impressions, alors d'abord, c'est essentiellement là-dedans le souvenir. Alors moi, j'ai envie de parler, en fait, avec cette ambiance rouge, ce vide, etc. J'ai envie de parler d'une boîte à souvenirs. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre à faire que de penser dedans. Donc, on est isolé de tout, on est dans un isoloir, et bah moi, j'ai pensé. Voilà, c'est la principale chose, j'ai pensé. Bah, celle du labo photo, bien sûr, avec la lumière rouge, et puis, ces murs un peu blancs, finalement. Donc, voilà, c'est des ambiances assez particulières, et c'est assez sympa, en fait. La lumière rouge est vraiment mise en valeur par les murs blancs. Voilà. En fait, elle a une impression que les caleçons que ça nous écrase, le dessus il est un peu tout proche, il est proche de nous, les murs aussi, on a l'impression que ça s'écrase sur nous. La couleur rouge a aussi une impression, à la fois l'effet un peu de la mort, du sang, mais ça nous fait un effet aussi un peu érotique, et ça fait appel aussi au sens. Au toucher, à la vue, et voilà. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que on est au calme. La couleur change selon les endroits où l'on regarde, et ça devient de plus en plus rouge. C'est apaisant. Ça m'a fait penser que j'étais toute seule sur une île déserte et que d'un côté il faisait très très chaud et de l'autre côté très très froid. J'aime pas le rouge. Pour ma dernière demeure, ça manque un peu de décoration. J'ai l'impression d'être dans ma tombe. Je vais parler fantastique. Ça m'a fait penser comme si j'étais dans une barbe à papa, toute rose à la fraise. J'étais magnifique.